Good morning, allez, Yiden. L'étude sera aujourd'hui l'Izrout Sarah Myriam Batrana et l'Irfouat Arav Yosef Haim Ben Emma Simcha. Nous étudions Baba Kama Perek Bet Mishnah Bet. Ve'elu Chayav Lachris Matza Perot Bichli Okli Kmochehu Maot Bakis Okis Kmochehu Tsebure Perot Tsebure Maot Shlosha Matbeot Ze Al Gav Ze Kirichot Birshut Hayachid וכיכרות של בעל הבית וגזי צמר הלקוחות מבית האומן כדי יין וכדי שמן הרי אלו חייב להכריז. Cette Mishnah est la suite directe de la Mishnah Aleph. C'est fréquent dans la Mishnah Yot, on a déjà rencontré des cas pareils dans Baba Kama où la Mishnah va vouloir nous apprendre à discerner deux cas de figure, un cas où c'est permis, un cas où c'est interdit, un cas où ce sera par exemple où il y aura un chiyuv, un cas où il y aura un ptour, en l'occurrence dans notre Mishnah, un cas où il y aura la mitzvah de rendre la Shavat Aveda, et un cas où ça t'appartiendra. Et donc la Mishnah va nous donner deux Mishnah, la Mishnah va se présenter sous forme de deux Mishnah successives. L'une va nous dire voici les cas tout blancs, et après on arrive à la Mishnah Bet, et on reprend les mêmes cas, avec une différence, on va dire cette fois-ci, voilà les cas tout noirs. D'accord? C'est fréquent. En l'occurrence, pour notre sujet, on avait appris déjà dans la Mishnah précédente d'hier qu'on introduisait Elu Metziot Shelo Velu Chayav Lachriz. Voici les trouvailles qui t'appartiennent quand tu les trouves et voici les trouvailles que tu dois restituer. Et maintenant, donc, la première série, la Mishnah d'hier, nous a enseigné les cas de figure. Les objets que l'on trouve et qui nous appartiennent, cette Mishnah maintenant va venir nous dire attention, dans par contre ce cas-là et ce cas-là et ce cas-là, tu devras publier. Si déjà, on va faire un petit peu d'ordre dans la mitzvah de la Shavat Aveda, en voyant ça à l'intérieur du Pasouk, ça se trouve dans Parashat Kitetse, et il y a marqué comme ça, Perek Rafbet, le début du Perek 22. L'otiret shor achicha oseyon oetseyon idachim veitalamta mehem, achev teshivem leachicha. La Torah nous dit, tu ne verras pas le taureau de ton prochain, de ton ami, Oetseyo, ou encore son mouton, Nidachim, qui se perdent dans la rue, Vitalamta Mehem, et tu vas oser faire comme si tu ne les as pas vus, Hashev Teshivem Lachicha, va donc leur rendre, il y a encore Vimlokaro Bechicha, on en parlera de ce passage plus tard, en tout cas c'est la suite qui m'intéresse, Vechen Taasel Achamoro, tu feras ainsi avec son âne, Vechen Taasel Simlato, tu feras ainsi avec sa simla c'est sa robe, sa tunique, vechen ta'aseh lechol aveda t'achicha, et tu feras aussi ainsi avec toute éventuelle trouvaille de ton prochain, asher tovad mimenu umetzata, lorsque lui le perdra et toi tu le trouveras, lo tuchal leit'alem, tu ne pourras pas passer à côté incognito comme si tu ne l'as pas vu, mais au contraire tu devras le ramasser pour lui faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Ça c'était la mitzvah de Hashavat Aveda. Hier, on a introduit la règle essentielle, le point capital selon lequel on va définir les metziyot, les trouvailles qui t'appartiennent et les trouvailles que tu devras restituer. En bref, très concisément, ça se passe comme ça. La Torah me dit, rends l'objet tant que lui espère retrouver son objet. C'est la notion du yéhouch ou pas yéhouch. Yéhouch, c'est se décourager, se désespérer. Lorsque mon ami perd un objet, tant qu'il espère le retrouver, alors j'ai une mitzvah de Hashavat Aveda. Si je le trouve dans le laps de temps où il est encore en train d'espérer le retrouver, je le ramasse, dès lors, je devrais le lui restituer, même si, finalement, deux semaines après, il espère plus le retrouver. Mais puisqu'il est arrivé dans mes mains, au moment où il est arrivé dans mes mains, je me suis fait imposer de la mitzvah de Hashavat Aveda, je devrais continuer à le lui rembourser, à lui restituer l'objet. Ça lui appartiendra. D'accord ? Maintenant, par contre, si l'objet tombe dans la rue et qu'il se désespère et se décourage de le retrouver, alors il n'y a plus de mitzvah de Hashavat Aveda, je peux partir le ramasser, il m'appartiendra. Ça, c'était le point de départ. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui vont faire pourquoi il se décourage ou non. On a évoqué déjà hier deux points essentiels. Il y avait tout d'abord la notion du siman. On parle essentiellement de ça dans le Mishnayot. C'est quoi un siman? Un siman, c'est un signe distinctif. S'il a un signe distinctif selon lequel il va dire « Ah, c'est le mien, parce que tu verras qu'il y a une rayure à cet endroit-là. » Ou bien « Il m'appartient parce qu'il est cassé comme ça dans cet endroit-là. » Ou parce qu'il a cette particularité. Ouais. Alors dans ce cas-là, puisqu'il a un siman, il a un signe distinctif,
Lorsqu'il perd son objet, il espère ensuite le retrouver. Et de ce fait, lorsque moi je vais le trouver, alors je devrais forcément publier, et, d'accord, mettre des annonces ou publier le fait que j'ai trouvé une trouvaille, et donc il lui viendra ensuite la réclamer. Par contre, un objet qui n'a aucun siman, aucun signe distinctif, un objet purement banal, une pièce ou... D'accord ? Un billet ? Un seul billet jeté en pleine rue. Il n'y a pas de signe distinctif. Il y a des raisons, je préfère pas tellement rallonger, sinon ça va faire un cours qui va de nouveau devenir, qui va sortir de toute proportion, donc je préfère un petit peu me plier aux règles. Mais en tout cas, on a un billet de banque classique, même s'il y a une écriture, ça change pas le problème. On le trouve par terre dans la rue, ben on a le droit, selon l'alakha, de partir le ramasser, et on le prend, il nous appartient, même s'il est possible qu'il est tombé de notre frère juif. Avec une condition, par contre, il faut quand même que la personne qui l'a perdu a réalisé qu'il est tombé de sa poche. Par contre, s'il n'a pas réalisé, alors là, on rentre dans un autre problème, c'est qu'il n'a pas pris connaissance, donc il ne s'est pas encore découragé concrètement, et de ce fait, ce sera un cas un petit peu compliqué. C'est un cas où je devrais le ramasser, et je ne pourrais pas du tout publier, donc en fait, je devrais le garder jusqu'à qu'il y ait un avis vienne, et qu'il me dise à qui je le restitue, parce que personne ne pourra venir me dire, tu l'as trouvé, il était ainsi, ou il était comme ça, tu l'as trouvé à tel endroit, c'est pas réel. Donc je devrais le ramasser. Au moment où je l'ai ramassé, je l'ai acquis, je me suis fait imposer de la mise à Shabbat Aveda à X, à une personne qu'on ne peut pas du tout déceler qui sera-t-elle. Et donc, on devra le garder jusqu'à qu'il y ait un avis vienne et nous dise à qui ça appartient. Il y a encore d'autres solutions, mais on va s'arrêter là quand même. Ça, c'était donc la règle de base. Si on répète donc concrètement, le fondement, c'est est-ce qu'il espère retrouver son sa trouvaille ou non. Concrètement, ça s'exprime par le fait, est-ce que par exemple il a un siman ? Il y a encore d'autres cas de figure maintenant, c'est ce qu'on a évoqué. Il y a parfois où on a un siman, mais on n'espère même pas le retrouver. On a évoqué le cas d'un siman qui se trouve sur la voie publique, qui va se faire piétiner par tout le monde. Donc il n'y a plus de siman, il n'espère plus le retrouver en se fondant sur ce siman. On en reparlera tout à l'heure, Bezrat Hashem, quand on parlera de Krichot Birchut Hayechid. Et il y a encore un autre cas de figure, c'est le cas où on perd un objet où la majorité des gens sont goy. Puisque les goyim ne sont pas makpidim, ne font pas attention à restituer la Aveda, il en va de même dans un quartier purement Chiloni de Tel Aviv, je suppose que ce sera la même halakha, j'ai pas vérifié, mais j'imagine que c'est exactement ça. Si on peut dire que la majorité des gens ne se soucient pas d'accomplir la mitzvah de Shabbat Aveda, de ce fait, celui qui perd dans un quartier pareil, c'est qu'il ne retrouvera plus son objet, et de ce fait, il se désespère, et lorsqu'on le trouve, on a le droit de l'emmasser et de l'acquérir, même si on est un très bon juif. Voilà pour le rappel de la règle essentielle. Maintenant, concrètement, la Mishnah va reprendre des cas de figure. Ça va être simple. Velo chayav l'achriz. Voici les trouvailles que tu devras publier. Matza perot bikli o kli kmotcheu. S'il a trouvé des perotes, des fruits, dans un kli, dans un ustensile, ça peut même être un sac plastique. O kli kmotcheu. Ou encore, s'il a trouvé tout simplement un ustensile dans la rue, il devra le restituer. Pourquoi ? Un kli, il a forcément, en général, sa singularité. Le sac plastique, non, en l'occurrence. Mais ça peut aussi arriver, si c'est un sac plastique qui est un petit peu déchiré dans un coin, ou qui a été effacé l'écriture, que l'écriture a été effacée. D'accord ? Ou tout simplement, perot bikli, même dans un sac plastique, et dans ce cas-là, il devra nous dire, ah, il y avait cette pomme. C'est aussi une solution. Minyan havet siman, le fait de dire le chiffre qu'il avait, c'est un bon siman. De ce fait, lorsqu'on trouve donc un sac plastique avec 3 pommes, on doit le prendre et publier qu'on a trouvé un sac avec des fruits ou des pommes, on peut le dire aussi. Et la personne viendra et dit, ah, peut-être, et on dira qu'on a trouvé des pommes, sans préciser quoi que ce soit. Et la personne viendra et nous dira, ah, il y avait peut-être 3 pommes qui étaient dans un sac plastique. Et s'il a bien déterminé, alors on lui rendra. Ensuite, on continue. Maot bakis. Okisk mochelou. Idem encore si on trouve un portefeuille avec dedans des pièces ou tout simplement même un portefeuille sans pièces. Alors de nouveau on devra publier parce qu'il a forcément un propriétaire qui va pouvoir le reconnaître. Tsibouré perot, tsibouré maot. Tsibouré perot, c'est un tas de fruits. Et tsibouré maot, c'est un tas de pièces. Picsou, il est venu avec la brouette et il y avait là-bas des pièces. En tout cas, on se retrouve avec un tas de pièces. Ça veut dire quoi ? On remarque en fait que ces fruits ou que ces pièces ont été réunis, rassemblés de manière bien ordonnée. Et que maintenant, donc elles sont réunies ensemble, et le propriétaire va pouvoir nous dire « Ah oui, c'est moi, je me suis amusé
la déposer là-bas, à verser ma bourse, où il y avait dedans temps et temps. Il devra nous dire le prix. D'accord ? Ensuite, ou bien il pourra même aussi dire, je les ai déposés à tel endroit. C'est-à-dire, moi, je vais afficher. J'ai trouvé de l'argent. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah, peut-être que c'était de l'argent, des pièces empilées à tel endroit du Rechut Rabim. Selon une règle qui va nous dire que Makom avait Siman. Dire l'endroit où l'objet se trouvait précisément, c'est aussi un Siman. Même s'il n'y a pas de signe distinctif, dans la mesure où on va pouvoir définir que l'objet a été posé consciemment, qu'il n'est pas tombé d'une poche, donc qu'il ne sait pas où il est tombé, quelque chose qui a été posé consciemment, on remarque que ça a été bien entreposé proprement. Donc de ce fait, on pourra publier, et la personne viendra et nous dira « Oui, il était posé à tel endroit, c'est mon signe que je te donne, et donc Makom maximum. » Ensuite, « Shlosha matveot ze al gavze » selon le même principe, de nouveau. Alors la Mishnah va venir nous donner des cas de figure. De trois pièces même, uniquement trois pièces, empilées l'une sur l'autre. Donc on remarque qu'elles ne sont pas tombées sans faire exprès, sans intention, mais qu'elles ont été déposées bien précisément l'une sur l'autre. Et de ce fait, Makom avait Siman, et même aussi Minyan avait Siman. La personne viendra et nous dira, ah ouais, les pièces, tu les as trouvées, elles étaient dans tel endroit précisément, ou encore, il y avait tant de pièces. On verra le partenaire qui nous dit qu'il faut dire les deux, c'est discuté en réalité. Il y a un autre Tosot Yom Tov, en fait, ça fait référence à une marloquette, je crois, chez Tosot. Et voilà. Krichot Birshut Ayachid. Krichot Birshut Ayachid, on parle de gerbe, de... Donc on a pris des céréales qu'on a rassemblées, on en a fait une gerbe, et on la trouve cette fois-ci Birshut Ayachid. Par opposition à, dans la première Mishnah, on parlait de Krichot qui était Birshut Harabim. De quoi parle-t-on? Là c'est délicat, et je vais directement vous donner le pshat qui va être l'alacha, en l'occurrence pas comme le Barthénora. Le Barthénora ne se trouve pas ici, il se trouve dans la Mishnah précédente. Il y a Rabbi Akiva Eger ici qui soulève le problème, qu'il soulevait déjà là-bas. Concrètement, il y a deux manières d'expliquer ce Krichot Birshut Ayachid. On va retenir celle de la halakha. Ça se passe comme ça. On parle d'une Kricha qui n'a aucun signe distinctif. Mais puisque c'est quelque chose de volumineux, c'est sûr qu'il n'est pas tombé sans faire exprès, mais qu'il a plutôt été déposé. On le trouve Bederech Inoach, ça s'appelle. On le trouve de manière posée. C'est sûr que c'est pas tombé du camion. Ça a été déposé, il a eu besoin de, peu importe, rentrer dans le magasin pendant une minute, ensuite il est parti, il a laissé poser par terre, mais on remarque que ça a été entreposé. Il n'y a pas de signe distinctif, parce que tout le monde fait des bottes de céréales, des gerbes de la même épaisseur, plus ou moins, la même quantité, il n'y a pas une manière spéciale de l'attacher, donc tout le monde fait la même chose, donc de ce fait, on n'a pas de siman à donner. Mais il y a malgré tout un autre siman, comme ce qu'on a rapporté, le fait de l'avoir posé dans un endroit précis, Makom Avesiman. Alors ça se passe comme ça. Lorsqu'on est Birshut Ayachid, donc ça a été posé, on ne parle pas donc d'un Birshut Ayachid vraiment, on parle d'un Shvil Ayachid, d'une petite ruelle où il n'y a pas beaucoup de va-et-vient. Alors dans ce cas-là, c'est effectivement un bon siman de dire « Ah oui, il était posé dans ce coin ou dans ce coin. » Par contre, lorsqu'on est Birshut Arabim, alors le fait de l'avoir posé dans un endroit n'est pas un siman. Pourquoi ? Les passants viennent et shootent dessus. Il le déplace sans arrêt, donc toi-même, lorsque tu le poses dans un endroit, tu sais pertinemment que tu ne le retrouveras plus ensuite dans cet endroit-là. Donc, Makom lo avesiman b'shut arabim. D'accord ? On a expliqué comme ça la Mishnah, selon la Halakha. Ensuite, on continue. Et kikarot shel ba'al ha-bayit. Kikarot shel ba'al ha-bayit. Alors, on parle d'un pain, cette fois-ci, qui a été fait par un particulier. À la différence du pain du boulanger, qui sont tous les mêmes. Cette fois-ci, les pains du particulier... chaque particulier a sa manière de faire le pain, d'accord ? Chaque maman a sa manière de le faire, la manière de le cuire, la manière de le préparer. Et en général, donc, il y aura toujours un siman sur un kikar shel ba'al ha-bayit. Petite remarque quand même, quand c'est déposé dans le Rechut Rabim, comment tu peux me dire que c'est comme un siman ? Il est possible que le pain ait été écrabouillé. Ouais, selon la règle du siman asui leidares qu'on a rapporté hier, un siman qui est censé se faire piétiner. Et la réponse, elle est que, c'est une halakha importante, c'est pour ça que je la mentionne, qu'il y a, de manière générale, on fait attention à ne pas marcher sur du pain. Il y a marqué dans la Gemara, dans cette Gemara ici, que marcher sur du pain, ça peut être une cause de pauvreté, chas v'shalom. Et de ce fait, on fait tous attention à ne pas marcher sur du pain. Lorsqu'on trouve même du pain par terre, on le ramasse et s'il est encore mangeable, s'il peut encore être mangé, pas en famine, mais de manière générale, donc à notre époque c'est un petit peu différent, il y a un Rav Eliashiv qui parle de ça,
Mais en tout cas, si c'est encore, ça peut être encore mangeable en cas de petit coup de faim, ça peut. D'accord? Donc de ce fait, il y a non seulement il ne faut pas l'écraser, mais en plus de ça, il faut même le ramasser et le mettre de côté, de manière à ce qu'il ne va pas se détériorer. Ensuite, les kikarot shel balabait, donc ça c'était le cas de kikarot shel balabait. Ah, et c'est pour ça donc que puisqu'on piétine pas un pain, alors un pain de particulier, le particulier ne fait pas yéhouch, ne se désespère pas de le retrouver parce qu'il sait très bien que son pain tel quel, il pourra le retrouver. Ensuite, on continue. Vegizet semer alekuchot mibet aouman. On parle maintenant de tonte de laine qui a été cette fois-ci sortie depuis l'artisan. Alors chaque artisan a sa manière de faire, chaque laine elle est sortie, même lui il fait jamais deux fois la même laine, donc cette fois-ci en Siman on pourra tout de suite constater que oui c'était mon tas de laine qui était teint de telle couleur ou qui était coupé de cette manière, qui avait tel volume, alors donc ça devient Siman. Ensuite, Kadeyein et Kadeshemen, on parle maintenant donc de Kad, c'est des cruches de vin ou des cruches d'huile. À nouveau, c'est un peu délicat. Concrètement, une bouteille d'huile n'a pas de siman. Elle a toujours la même taille. Mais il y a quand même des cas particuliers. Et ouais, je parle d'une bouteille. À l'époque, il y avait des fûts aussi, des fûts de vin, des fûts d'huile. Il y avait quand même un moment où il y a une situation où on peut avoir un siman dessus. Et c'est très simple. C'est un cas où on trouve dans un endroit où tout le monde est censé avoir encore des bouteilles encore fermées, par exemple. On pourrait illustrer ça avec la sortie d'un supermarché. Une bouteille de coca, elle est censée être fermée. Les gens sortent du supermarché, ils n'ouvrent pas des bouteilles de coca. En général, je pense. On achète des packs. Dans un moment, on achète des packs. On n'achète pas des packs et on se met à les boire tout de suite. On les ramène à la maison et ensuite on les boira à Shabbat ou peu importe. Et donc, de ce fait, trouver une bouteille fermée n'est pas un siman. Mais trouver une bouteille ouverte dans un endroit où toutes les bouteilles sont fermées, on pourra alors mettre une affiche et dire j'ai trouvé une bouteille, et quelqu'un viendra et me dira ah oui c'était une bouteille qui a été, j'ai trouvé une bouteille de coca, quelqu'un viendra et me dira oui c'était une bouteille de coca qui était déjà ouverte, alors cette fois-ci il a donné un siman, d'accord, c'est le fait de l'avoir ouvert. Ça c'est, j'ai adapté un petit peu ce qui a marqué dans la Gemara. Dans la Gemara il y avait une certaine manière de fermer la cruche et de mettre dessus une sorte de mortier pour refermer, d'accord, chacun avait sa manière de le refermer. Donc dans tous ces cas-là, Aré et Lou Chayav l'Achriz, lorsque vous trouvez un de ces cas cités, puisqu'il y a un siman, un signe distinctif fiable, le propriétaire espère le retrouver, donc vous avez un devoir de publier. On fait très rapidement le Bartanora. On avait vu donc Matza Perot Bikli Oklik Mocheu. S'il a trouvé des fruits dans un ustensile, Vekli Yajbo Siman, dans un ustensile de manière générale, il y a un siman, ça ne sent jamais de faire la même chose. Je suppose à l'époque, quand tout le monde était plus artisanal que fait à l'usine, d'accord. Un kli de manière générale et un siman. Ensuite, on a vu encore klik mocheu rekan, tel quel, vide. Tsibore perot, un tas de fruits. Simana, minyan o makom. Le siman, quand on fait un tas de fruits, ça peut être soit le minyan, la quantité de fruits, soit le makom, l'endroit exact où sont posés les fruits. Shlosha matbeot ze al gav ze. Oyoter, le cas on a vu des trois, donc du cas de Tsibore maot, des pièces empilées. Shlosha matbeot ze al gav ze. Il y en a trois qui sont posées bien correctement l'une sur l'autre. Ouais, je me suis un petit peu trompé tout à l'heure quand j'ai dit, c'est pas qu'on ne trouve pas un tas. Faut qu'on constate que ça a été ordonné d'une certaine manière. D'accord ? Zer Gauze. Ensuite, Krichot Birshut Ayachid. Krichot Birshut Ayachid, alors là, on a dit que c'était les gerbes qui étaient rattachées. Ah, c'est tout, il n'y a plus de Bartanora. Bartanora, ça se rapporte juste sur ça. Je me suis arrêté trop tôt, excusez-moi. Shosha Matbeot Zer Gauze, donc trois pièces empilées l'une sur l'autre. Vamachriz, alors maintenant le Bartanora nous dit, comment est-ce qu'on fait pour publier? À Machriz, celui qui publie, Machriz, il devra publier en disant Matbeot Matsati, j'ai trouvé des pièces. Vezeba, et celui-ci vient, Veomer, Karvekachayu, Umunachim, Ze Alze. Il y avait tant et tant de pièces qui étaient posées l'une sur l'autre de cette manière. C'est sur ça que je dis qu'il y avait une petite discussion, est-ce qu'il fallait préciser qu'elles étaient déposées l'une sur l'autre ou non, mais en tout cas, il y a au minimum. Dire le nombre de pièces qu'il y avait, c'est déjà en soi-même un bon siman d'après l'art. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là!